ton téléphone pour que tu fasses ta publicité, ton montage de chez Playdou, parce que quand même, faut bien travailler. Donc vas-y, je te laisse faire, ok? Allez, je t'en prie. Vas-y, allez, voilà. Putain! Ça va? J'en ai marre de ça, je te jure! Alors que j'ai rien fait avec une meuf! Si! Putain. T'as pas été sage. Bon les gars, je vais faire la publicité de chez Pédo. Vous vous rappelez de Pédo? Regardez, c'est super confortable. C'est les meilleures plaids de cet hiver. C'est tellement confortable. Je vous mets les anciennes vidéos. Regardez. Tu vois ce giga plaid avec plein de moumoutes à l'intérieur. C'est super confortable. Il est énorme. Il y a aussi des poches avec à l'intérieur de la moumoute. Regarde comment c'est trop bien et c'est super confortable. T'as envie de te jeter dedans. C'est énorme. Non mais regarde juste l'intérieur du plaid. Ce qu'il y a à l'intérieur c'est carrément de la moumoute. On se sent tellement bien. Waouh, je vais me mettre dedans. Les gars, je me sens trop bien et regardez, je vais être doux et bien cosy pendant tout l'hiver. Donc t'as intérêt à l'acheter, je te garantis que c'est un truc de ouf. Les gars, c'est super cosy. Tu auras un hiver doux et tu vas te sentir bien. T'as moins 50% avec mon code promo. Sois papa achète, c'est maintenant ou jamais. Grâce à mon code promo, il y a une promotion de malade. Donc tu te dépêches, tu sois même et tu achètes. Fais-toi plaisir, c'est l'hiver. Tu passes tout ton temps sur le canapé. Au moins, sois cosy, sens-toi bien. Allez, sois même achète, c'est maintenant ou jamais. Ryan va venir et tu vas voir ce qu'il va te faire, je te jure. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va déjà, tu vas voir si je rentre à l'appartement, la vie de ma mère que je ne laisse pas rentrer. Mais en fait, il va rien faire à part me donner un numéro de téléphone de meuf ou me dire son prénom parce que sinon je le laisse pas rentrer. Donc il va rien faire du tout en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tant qu'il va pas envoyer un numéro de téléphone ou un nom, il ne rentre pas dans la chambre, il ne met pas le pied dans la chambre. Je sais même pas s'il connaissait les meufs, c'était des meufs d'Instagram. Oui, bah c'était des meufs d'Instagram. Et là, il va dans ses mots de passe, dans ses MB Instagram, il voit les messages d'avant et c'est tout, il les retrouve en fait. Mais j'ai rien fait avec ces filles, tu comprends? Qu'est-ce qu'on s'en fout? J'en ai rien à foutre que t'as rien fait, tu t'es laissé asseoir dessus, te faire twerker dessus là en fait. Je veux leur nom, je veux savoir qui c'est, tu comprends ça? Parce que ces meufs-là, elles savaient que j'étais en couple avec toi et elles sont quand même venues. Et bah quoi? Donc, j'attends avec impatience, ok? J'attends. Y'a Brian. Brian, sauve-moi! Tu m'as pas envoyé de message! Sauve-moi, Brian! Quoi? Quoi? Sauve-moi, Brian! Okay. Il donne le prénom, il va donner le nom d'une meuf! Il va donner le nom d'une meuf! Vas-y, attrape-la! Vas-y, attrape-la! Vas-y! Vas-y! Ferme la porte! Voilà, c'est bien! Délivre-moi! Délivre-moi, vas-y! Vas-y, délivre-moi! Je galère! Tourne pas! Vas-y, vite! Enlève le truc, lève-toi! Je le laisse! Enlève! Derrière! C'est derrière! C'est derrière! Attends, sa mère! C'est quoi, c'est là? C'est le calme! Vas-y, aïe. Depuis tout à l'heure, je suis là comme un connard, j'enlève. Aïe. Comment on fait? Allez, vas-y, frère, allez, vas-y, retourne. Elle est enfermée aux toilettes. Je m'en bats les couilles, tu t'en fous. Elle peut mourir de faim, de soif. Il y a une porte en bas, putain. Vas-y, ouvre. Vas-y, fonce. Elle peut juste boire et pisser et faire caca. Mais coincée dans les toilettes comme c'est, ça. T'es complètement ça. Malade. On s'en fout, le but c'est que toi tu sois. Attends, mais viens, on la débloque des toilettes. Non, c'est mon frère, putain, viens, j'ai une surprise pour toi. T'as une surprise, mon gars? C'est quoi la surprise? C'est tes fringues Zélie, c'est tes fringues préférées, mon frère. Waouh! Mes fringues Zélis, c'est de la qualité, c'est magnifique. Et en plus, au Brave Day, il y a des nouvelles marques. Regarde, il y a des nouvelles gammes, c'est incroyable, regardez. Alors celle-là, c'est une de mes doudounes sans manches préférées, regardez. Il y a le petit Z sur le côté, le petit Lego, et elle est incroyable, regarde. Elle est pas magnifique cette doudoune? Regardez le logo derrière, c'est incroyable. Et franchement, qu'est-ce que je suis bien dedans? Ça me tient chaud, je suis beau gosse. Swipe up si tu veux l'acheter, swipe up, fonce. Regardez les gars, tu vas pas me dire que c'est pas stylé ça. Ces hélices, y'a rien de mieux. En plus, la qualité, elle est incroyable. Regarde. Tu peux lâcher ce pull. Il est pas cher et en plus, il est stylé. Regarde cet ensemble-là. Il est pas magnifique. Je suis beau gosse, je suis bien. Franchement, Zélis, c'est la meilleure marque. Chez Zélis, il y a les meilleurs survêtements trop stylés. Regarde, tout ça c'est jusqu'à moins 70% plus mon code promo. Donc en fait, il y a une méga promo, ça coûte rien pour avoir du Zélis. Donc tu swipe up et va voir parce qu'il y a un truc que tu vas kiffer, c'est sûr. Regarde ce jogging super doux, super confortable. Je suis tellement bien dedans, c'est mon préféré. Et bah incroyable cet ensemble. Il est vraiment grave à la mode, il est super doux. C'est mon préféré celui-là, mon préféré. Black Friday, ça va jusqu'à moins 70% plus mon code promo. Ça peut aller jusqu'à moins 90, un truc de dingue comme ça. Tu t'imagines? Swipe up et fonce, c'est maintenant ou à jamais pour avoir du Zélis pour pas cher. Et c'est de la qualité de malade. Swipe up, allez, swipe up et va voir si te convient. Va voir, au moins tu as rien à perdre. Bon Black Friday, il y a des super offres. C'est maintenant, swipe up, check it out, ok? Clairement une histoire sans fin les gars, qu'est-ce que je dois faire avec Léa? Là elle est sûrement encore coincée dans les toilettes, je sais pas quoi faire. Demain, elle risque d'être encore plus énervée.
Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, moi, j'ai plus envie de la voir. J'ai plus envie de voir Léa Marie. Elle est trop violente pour moi. Vous en pensez quoi? Franchement, c'est grave ce qu'elle a, c'est grave ce qu'elle a fait. Putain, merde! Bon, ce qui est sûr, les gars, c'est que demain, je pense que soit je lui dis que c'est fini, soit je l'évite. Il faut que je réfléchisse, mais demain, je vais prendre une très grande décision parce que là, j'ai l'impression de tourner en rond, ça me coûte de l'argent, je perds du temps et j'ai l'impression qu'on n'avance plus. Et j'ai l'impression que bah cette relation est peut-être trop toxique. Vous en pensez quoi, vous? Bon, allez, je vais réfléchir, mais demain, je vais prendre une décision, c'est sûr. Shut it down. When you're taking it off, slow it down. Girl, we got all night long. Attends, gros, je t'explique là. Là, on a même oublié le casting pour Je trouve l'amour, frère, à cause de cette histoire avec Léa Marie, toutes ces conneries, frère. J'en peux plus, gros. J'en ai marre, frère. Tu comprends ce que j'explique ou pas, Seb? Écoute-moi, s'il te plaît, deux secondes, écoute-moi. Là, il y a, tu te rends compte, il y a Snaplove qui arrive dans quelques jours, et là, en gros, tu fais. Oh, c'est vrai. Non, mais vrai. Sérieusement. C'est vrai, ça, en vrai, Léa Marie, elle crée tout le temps des problèmes. Bah, oui. Clément qui a créé des problèmes, on a même oublié que lui doit trouver l'amour dans quelques jours et qu'il y a 30 filles qui viennent dans un méga penthouse dans sur les Champs-Élysées pour qu'il trouve l'amour. Voilà, donc c'est dégueulasse, c'est injuste. À cause de vos histoires de couple et de Léa Marie qui encore Léa Marie. Elle allait beaucoup trop loin pour moi. Beaucoup, beaucoup trop loin. Ah oui, frère, donc voilà, maintenant viens, on arrête avec l'histoire de Léa Marie et on s'occupe de Snaplove. Et pour moi, faut que tu sois plein Je pense que je dois la quitter, Léa Marie. Mais t'as séquestré, gros. T'es sérieux ou quoi, frère? Okay, t'as séquestré. Allô? Putain, ils sont vraiment trop beaux, tes bijoux. Hein. Je sais, frère. Ah, mais c'est les bijoux du Jewelry Bring. Regarde! Bijoux de haute qualité, oui. C'est une bijouterie 100% française de Aix-en-Provence. Et c'est des bijoux de malade. Et c'est du 100% vrai. Regardez la qualité que c'est. Même la fermeture, il y a des diamants dessus. Et je vous garantis qu'avec ça, vous aurez des bijoux incroyables. Les plus grands, les portes Westgen, SCH. Les plus grands rappeurs achètent ce genre de bijoux. En plus, c'est de la qualité et c'est pas cher. Encore des super bons plans de Save Daily from New York City. Regardez tous les modèles qu'il y a. Et en plus, il y a moins 60% avec mon code promo. Moins 60%, tu t'imagines? Une offre de malade, moins 60%. Donc tu sois up et tu vas acheter. Il y a pour les filles et pour les garçons, regarde. Il y a pour tout le monde. Donc tu swipe up et tu te dépêches. Regardez, ça c'est mon préféré. Il est grand, il est énorme et franchement, il est canon. Donc tu te dépêches et tu vas swipe up. Et même les fermetures ont une définition. Il y a des bijoux pour les femmes et pour les hommes. Je vous le répète. Donc tu swipe up et va trouver le bijou qui te convient le plus. Donc dépêche-toi. Et en plus, regardez, ça vient avec un certificat d'authenticité et c'est garanti à vie. Vous imaginez, garantie à vie. À moins 60% sur tout le site internet. C'est une bijouterie française, c'est de la qualité. Swipe up et achète. Quand tu arrives sur le site, ne t'inquiète pas, c'est pas les prix exacts parce qu'il faut mettre mon code promo pour voir la réduction de malade. Donc va jusqu'au bout, mets mon code promo et tu verras que c'est pas cher et que c'est de la qualité, que c'est une opportunité pour toi et c'est garanti à vie. Swipe up, allez, dépêche-toi, swipe up. Après, elle est vraiment en train de me dire qu'il faut que je quitte Léa Marie. Je sais pas s'il veut me retourner le crâne ou si quoi que ce soit, mais là, je sais qu'il est au téléphone avec juste là. Je vais aller voir ce qu'il fait. Je préfère te prévenir. J'ai envie que ça s'arrête entre toi et celle. Voilà, je vais lui dire, je vais lui faire comprendre que t'es néfaste pour mon frère et que c'est inacceptable ce que tu fais. Vas-y, bah, je t'écoute. Hein. D'accord. Bah, dis quoi, en fait. C'est toi qui fais en sorte que tout aille mal entre nous, mais c'est toi qui m'emmène à faire ce que j'ai fait hier. Et en plus de ça, tu veux retourner la situation et tout niquer. Non, mais alors écoute, parce que là tu m'as l'air toute douce, crarita chaud. En fait, la vraie vérité, c'est que moi. J'ai ramené des meufs pour moi. Après, s'il y avait des meufs dans l'appartement, voilà. Mais t'as pas assez. Ça me prend en tête tout ça. Ça me prend en tête tout ça. Là, je vois que il y a Brian, mon frère, qui est en train de se déchirer avec la personne que j'aime. Et la personne que j'aime, elle met la hague. Bah voilà, il a arrêté l'appel avec Léa Marie. Hein. Écoute, voilà, pour moi, c'est très simple. Hein. Je veux que tu ne vois plus jamais Léa Marie de ta vie, voilà, ouais. Tout simplement. Et je veux que moi, si je trouve l'amour, limite pendant Snaplove, tu trouves une belle meuf. Tu vois, faut que tu trouves la page. La meuf, elle t'a manqué de respect, t'as séquestré, t'as bossé devant la France entière. Je veux qu'on arrête. Attends, tu veux que je trouve une nouvelle meuf, que je fasse des castings des meufs pour moi aussi? Mais pourquoi pas? Il y a un moment où c'est bon, Léa Marie, t'as séquestré, frère. Pour moi, elle doit plus mettre les pieds ici et on doit avancer à deux, frère. Ouais, mais je l'aime encore, Léa Marie. Mais tu l'aimes encore, mais je vais pas perdre mes sentiments comme ça en fait. Mais Seb, tu te rends compte de ce que t'as fait? Attends, j'entends un truc. La porte, avant la porte. Avant la porte. Avant la porte, je crois qu'il y a un truc. Mais bon, frère. Chut, ta gueule, putain. Quelqu'un qui a tapé la porte. Quelqu'un qui a tapé la porte. C'est un cambrioleur. C'est qui? Okay, c'est là. Ouvre pas! Non, je joue, frère! Ta mère, c'est une grosse. Ta gueule, arrête, t'es de daronne, frère! Ok, attends, ouvre pas! Attends! Ouais! Attends! Avant ça, tu l'attrapes parce que c'est une folle! Tu l'attrapes, ok? Attrape-la! 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 Ok!
Tu bouges, on te fume. Expliquez-vous là maintenant, c'est bon. Ça y est, mais t'as pas besoin de ça. Pose ça dans le sable. Vas-y, j'ai pas besoin de toi, moi, t'es malade ou quoi? T'as pas besoin de ça. Je te jure, je fais une dinguerie. Je te jure, je fais une dinguerie. Allez, vas-y, on va se mettre là-bas. T'es une folle. Tu m'as mis une boule de caoutchouc dans la gueule. La chambre, mets-la dans la chambre avant. On va te mettre dans la chambre. Si, tu quoi? Oui, t'es calme, bah, pour être sûr que t'es calme, pour être sûr que t'es calme, on te met dans la chambre. Allez, dégage. Attention, t'es sur mon pull préféré, mon ours préféré. Tu restes là, et tu, si t'es vraiment calme, on va le voir. On met dans la chambre. Putain, on l'a mis dans la chambre, elle va se calmer. On va voir si elle est vraiment calme. Il est hors de question qu'elle rentre comme ça dans le salon et qu'elle commence à taper la discute. Bon, les gars. J'ai mon pull fétiche. Les gars, est-ce que vous êtes fins en réponse question? Écoutez bien. Élu président des États-Unis, tapez 1 pour Biden, tapez 2 pour Trump. Mais qui a été élu président des États-Unis? C'est, vous savez les gars, vous pouvez gagner tous ces cadeaux. Regardez! Le plus grand jeu concours de France jamais réalisé. En plus, avec un contrôle huissier. Regarde, du Dior, du Louis Vuitton. Tu n'es pas prêt. Et tout ça, tu peux l'avoir. C'est très simple. Tu swipes et tu passes un coup d'appel. Bien évidemment, c'est 3 euros l'appel. Mais regarde, c'est du vrai. Je te le garantis. Et en plus de ça, tu as de grandes chances de gagner. Et ces cadeaux, c'est très simple. Pour répondre à la question, qui a été élu président des États-Unis? 1. Biden ou 2. Trump. Si tu connais la réponse, tu swipes et tu passes l'appel. Dépêche-toi, je suis sûr que tu connais la réponse et tu peux gagner tous ces cadeaux. Tu as vu tous ces cadeaux, tu peux les avoir. Et si tu connais la réponse, bah tu swipes et tu appelles. Et je te garantis que t'as une grande chance de gagner tous ces cadeaux. Allez, fonce et dépêche-toi. Tu adores cette sacoche, donc swipe up et appelle rapidement. Dépêche-toi, tente ta chance. Si tu connais la réponse, dépêche-toi, swipe up et appelle au 0899 620 610 pour avoir une chance de gagner tous ces cadeaux. C'est simple, tu swipe up et tu passes rapidement un coup d'appel. Et tu appelles, dépêche-toi, appelle vite. Allez, swipe up et appelle. Swipe up et appelle maintenant. Swipe up, appelle. Et bien évidemment, c'est moi qui va donner les cadeaux aux plusieurs gagnants de ce jeu concours avec un huissier de justice. Swipe up et appelle, l'appel sera facturé 3 euros avec un contrôle c'est justice.